À l'occasion de la promotion du film de Martin Bourboulon Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan, François Civil et Eva Green étaient invités par Laurent Delahousse, dimanche 9 avril, sur France 2. Dans ce contexte, l'actrice a évoqué avec tendresse sa mère Marlène Jobert. Dimanche 9 avril, Eva Green et François Civil étaient invités sur le plateau de l'émission 20h30 le dimanche, France 2, par Laurent Delahousse. Une invitation qui s'inscrivait dans le cadre de la promotion du film Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan, que l'on doit au réalisateur français Martin Bourboulon, en salle depuis le 5 avril. Un long métrage dans lequel la comédienne de 42 ans incarne le personnage de Milady de Winter, tandis que celui qui a notamment tourné dans Ce qui nous lie, Mon inconnu et Le chant du loup a prêté ses traits au personnage de D'Artagnan. Dans ce contexte, le présentateur a poussé Eva Green, qui s'était notamment illustrée dans la série Penny Dreadful, à s'exprimer au sujet de sa maman, l'actrice, romancière et conteuse de 82 ans, Marlène Jobert. Laurent Delahousse, ses rôles et ses personnages incroyables dans le détail, après avoir diffusé à l'antenne un cliché en noir et blanc sur lequel figurait l'iconique trio formé par Jean Rochefort, Philippe Noiret et Jean-Pierre Marielle, Laurent Delahousse a tenu à rendre hommage à Marlène Jobert, faisant allusion à ses rôles, et, à tous, ses personnages incroyables, qu'ils ont tous ensemble. Avant d'ajouter, on l'embrasse. Eva Green, qui a notamment tourné dans Kingdom of Heaven, Crack, Casino Royale ou encore Proxima, a ensuite précisé que sa maman était actuellement en train de suivre cette interview télévisée. Eva Green, on est extrêmement proche l'instant d'après, le journaliste de France 2 a demandé à son invité, lauréate en 2007 d'un Rising Star Award, si elle avait encore le temps de poser sa voix sur des comptes avec sa mère. On en a fait, il n'y a pas si longtemps. C'est très amusant de travailler avec elle, on est extrêmement proche, a répondu l'actrice à la carrière internationale. Avant de livrer cette confidence, vous savez, elle m'a raconté des histoires quand j'étais enfant. Elle aime bien jouer avec les tessitures de voix, celles de sorcière. Elle est très douée. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi. Marlène Jobert confie son inquiétude pour sa fille Eva Green, j'ai très peur pour sa santé. On your